Vente de bijoux, points relais, colis, abonnements divers et variés, les buralistes ne cessent de renouveler leur activité. Et bientôt, nous pourrons même payer nos impôts dans un bureau de tabac, en espèces ou par carte bancaire. Les contours du dispositif qui entrera en vigueur dans un an sont encore flous, mais la profession se réjouit déjà. Pour la profession, c'est une très bonne chose, puisque bon, l'activité tabac n'est pas très florissante et ça va aller... Ça va être de plus en plus dur. Des horaires d'ouverture étendus, souvent 7 jours sur 7, et une large couverture territoriale, les buralistes étant présents dans 3400 communes en France. Ce dispositif offrirait une alternative aux contribuables réticents aux démarches par Internet. Je pense que c'est bien pour des villages comme nous, pour des gens qui ne sont pas forcément en ville. De toute façon, il faut payer. Donc, que je les paye au bureau de tabac ou au trésor public, pour moi, c'est pareil. Vous ne craignez pas pour la confidentialité de vos données fiscales ? Moi non, parce que je ne passerai pas par les bureaux de tabac, mais peut-être, oui. L'annonce de cette mesure intervient alors que le nombre de trésoreries locales ne cesse de baisser. La Corse du Sud n'en compte plus que 5 et ce nouveau dispositif inquiète les syndicats. Gérald Darmanin l'a encore dit la semaine dernière, il faut supprimer 15 000 emplois dans la fonction publique. Mais les usagers aujourd'hui, quand ils se rendent au guichet de nos trésoreries, ils en profitent pour demander des conseils, pour demander des délais de paiement, des renseignements sur leur situation fiscale. Ça, évidemment, le buraliste ne sera pas à même de fournir ce type de service, de conseils. Paiement de l'impôt, des taxes, des amendes, mais aussi de la cantine scolaire ou des loyers HLM, cela pourrait représenter 2 millions de transactions par an. De quoi faire passer la pilule d'une nouvelle augmentation des prix du tabac auprès des buralistes.